là, ce bois? Qu'est-ce que vous C'est pour moi. Et là, on est en train de faire. On a monté un GIE d'exploitants agricoles pour justement traiter ce petit bois, les bois de haies, tout ça, qui ne sont pas utilisés actuellement. On avait la Chambre d'agriculture de la Lozère, de Florac. On a monté un GIE pour traiter ce petit bois et le vendre en filet bois d'allumage. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les supermarchés, c'est à la mode. Et ça va voir le jour en septembre. Le projet est sorti, là, on attend l'accord de subvention. On est 12 agriculteurs à s'être lancés là-dessus. Et on va traiter ce genre de bois, justement. Alors je pensais, le mûrier, peut-être je vais. On va le valoriser à 500 euros le stère. Le transformer comme ça en filet. On a calculé ce qui se fait actuellement avec du pain, qui est le bois le plus facile à traiter. Et moi, je pensais passer mon bois de mûrier, justement, parce qu'il y a des restaurateurs qui cherchent pour les grillades, tout ça. Ils se tournent vers ce genre de bois, parce qu'on s'est aperçu que la vigne était tellement traitée qu'ils ne pouvaient plus faire des grillades avec les vignes, les souches qu'ils arrachent. Et on pense que peut-être on a notre chance sur le marché en développant ce genre de bois. Ça, c'est tout récent, hein. J'ai pas l'expérience. Hein. On n'a pas l'expérience. Mais... Ça, c'est de la valorisation. Oui. 500 euros la terre. Ah oui. Bon, c'est pas net, hein, Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. mais c'est quand même intéressant.